Bonjour Internet, bonjour les gens, bonjour les petits views. J'espère que vous allez bien. Moi c'est dimanche pour moi, je sais pas quel jour je vais publier cette vidéo, mais bref. Donc aujourd'hui on va crash tester le Make-up Shein de A à Z. J'ai commandé des trucs il y a un moment et on va voir tout ça ensemble. Mais avant toute chose, je vais essayer avec vous ce masque, le Gold Rubber Face Mask 2 en 1. C'est la copie qui se vend chez Action des masques Dr. Jart. Alors, il faut le laisser poser 15 minutes, il me semble. J'avais déjà essayé l'autre et j'ai kiffé. Donc, pour les peaux normales, formule apaisante et hydratante. Alors, nettoyez votre visage, c'est fait. Versez le liquide de base dans le godet et mélangez avec la spatule. Laissez poser 20 minutes et séchez complètement. Retirez le masque, machin. Blablabla. Alors, ça s'enlève très facilement. Ça ne te fait pas une épilation comme je déteste ce genre de masque qui t'arrache la moitié du duvet que tu as sur la paume. Et qui te met dans le mal. Donc, mercredi, step 2. Wesh, 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 wesh. Donc, on va verser le step 1. Alors, je te cache pas que c'est un peu du plastoc, on va pas se mentir. La composition est vraiment suspect, mais bon, ce masque, je l'ai essayé et il m'a fait du bien. Donc, je vais le refaire avant de me pimper la tronche. Alors, je fais mon mélange. Donc, step 1, franchement, ça sent super bon. Et je vais mélanger de ce pas la poudre. Step 1, franchement ça sent super bon et je vais mélanger de ce pas la poudre. Donc j'ai mis les deux steps, je mélange. Ça se mélange assez bien, la poudre est assez volatile donc faites attention de pas en mettre partout. Oui, j'ai des cernes, j'ai des pores, je suis un humain, je ne suis pas un filtre Instagram. Voilà. Ah, j'adore, ça me passionne ma foi. Et franchement, je vous jure, j'avais acheté le rose. Que je vous ai montré dans un de mes hauls Action. Et franchement, il m'avait fait trop du bien. J'avais kiffé. Ça s'enlève trop facilement. L'application est plutôt sympathique. Franchement, je valide grave. Je peux déjà vous dire par avance que je valide pour avoir testé son frère. Non, franchement, ça fait trop du bien. Mais je préfère quand même la couleur de celui-là. L'autre, on aurait dit que c'était du. C'était rouge, donc c'était un peu spécial. Mais il m'avait fait extrêmement du bien. Donc ça, je rachète sans problème à Action. J'ai l'impression de m'appliquer du rose sur la gueule. C'est formidable. J'ai fait ma moustache hier. Je peux vous dire que ça ne me fait pas de picotement. C'est pas irritant, donc c'est plutôt pas mal. Je laisse poser, je reviens l'enlever avec vous. Donc, temps de pause terminé. On va retirer tout ça. Et vous voyez, ça s'enlève hyper facilement. C'est un truc de fou. Et ça t'arrache pas la tronche. Je sens que ma peau a apprécié ce moment. Hop, même la dernière fois, j'en avais mis sur mes chars. Et Dieu merci, ça m'a pas arraché la gueule. Donc c'est super cool. Il faut bien, juste bien le mettre en couche épaisse partout. Sinon, tu vois, tu vas l'enlever en plusieurs fois, quoi. Mais ça s'enlève très bien. Et au pire, si tu as des résidus. Tu rinces ton visage à l'eau tiède. Aucune rougeur, rien du tout. Ma peau est bien hydratée, franchement. Ce masque, je le kiffe. Il est génial. Je vais quand même aller me passer un coup d'eau froide, d'eau tiède, pardon, dans ma paume pour enlever tous les résidus. Et comme vous pouvez le voir, aucun problème. Franchement, je kiffe. Ma peau, elle est bien hydratée, je le sens. Je suis requinquée pour pouvoir me trafiquer la tronche. Franchement, comment ça fait du bien, les filles, je vous jure. Testez et dites à tata, parce que franchement, je me sens fraîche comme un gardon. Incroyable. Donc, en premier lieu, j'ai reçu une brume de chez Mercy Handy que j'ai demandé sur Octoly. C'est une brume protectrice visage. Et du coup, on peut s'en servir. Alors, notre chaman a sélectionné deux plantes sacrées, l'aloe vera et le chanvre, et on a fait une brume protectrice enchantée. Ça fine aura rafraîchissante, apaise, protège la peau et ton âme, je l'espère bien, au quotidien contre les agressions extérieures et préserve ton maquillage. Génial. Donc ça, tu peux t'en servir comme fixateur de maquillage ou avant pour préserver ta pomme. Donc, préservons-nous ensemble. Et j'ai découvert récemment, à côté de chez moi, à Carrefour Market, ils vendent cette brume de la marque Lovéa. Brume sèche invisible, haute protection SPF 50, au Monoï de Tahiti. J'ai enlevé le truc, donc ça fait crado. Mais cette brume, les filles, vous partez en vacances. Franchement, c'est un bonheur absolu. Tu la mets sur ton visage, tu as l'impression d'être à Bora Bora, c'est exceptionnel. Bref, je vous la conseille vivement.
Si vous la voyez, foncez. Elle était en promotion à 3,75 au lieu de 12 €. Donc je vais te dire franchement, foncez si vous la voyez à ce prix-là. C'est pas beau du tout aujourd'hui, la lumière est déplorable. En premier lieu, j'avais pris un échantillon de fond de teint mat longue tenue qui coûte 0,23 €. En teinte shell. Donc j'ai pris des petits échantillons comme ça pour éviter d'en acheter un gros, surtout si c'est pas ma teinte, j'ai pas envie de jeter l'argent par les fenêtres. Pour l'appliquer, j'ai pris ce kit de Beauty Blender qui est magnifique. Franchement, ils font des packaging trop mignons et pour faire un cadeau aussi, c'est plutôt fort sympathique. Foundation baking, use a contour stick for contouring and blending, franchement c'est trop bien. Shape your eyeshadow, truc de ouf. Ah, tu peux même estomper genre le eyeshadow for highlighter and blush, franchement pas mal. Donc la petite éponge et le rangement, fort sympathique, j'adore, franchement je kiffe. Voici sans être imbibé, je vais aller de ce pas l'humidifier et je reviens. Elle a bien gonflé, pas extrêmement mais elle a gonflé quand même et elle m'a l'air plutôt sympathique. Alors le fond de teint se présente ainsi, normalement il y en a assez pour toute la trombine. Oh, la couleur, nickel, franchement je suis contente parce que c'est pas évident. Choisir une teinte. Ah ouais, ça c'est ma couleur. Direct, je le sais, je le sens. Qui s'adaptera bien à ma tronche, mon sahabi. Il y en a beaucoup même pour une tronche. Ça fait quand même pas mal. Alors déjà, il sent bon, je peux vous le dire. D'entrée, ça sent très bon. Je vais venir me servir du miroir de cette palette, mais c'est pas celle-là que je vais utiliser aujourd'hui. Mais on la testera ensemble, obligé, parce que franchement, leurs palettes, elles ont l'air canonissimes. Alors effectivement, j'aurais peut-être pas du tout vidé sur ma main, parce qu'il y en a plutôt pas mal. Le Beauty Blender est fort sympathique, franchement, j'aime bien l'application. Et il est vraiment mat. Ils ont pas raconté de conneries sur ce coup-là. C'est formidable. Ah, franchement, ça c'est un fond de teint que je pense pouvoir acheter en format, en grand format. Et je trouve ça génial qu'ils aient fait ça pour tester s'il convient à notre peau ou pas. C'est franchement très très bien pour éviter de dépenser des sous-vêtements si tu te trompes de couleur. C'est vraiment génial. Il est bien mat, il n'y a rien à dire. J'apprécie particulièrement. Le rendu, franchement, incroyable. Pour 0,23 € avoir un rendu comme ça, sincèrement, je valide déjà. Je vous mettrai la photo juste à côté. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de teintes. Il y a des teintes foncées pour toutes les carnations. Et ça, franchement, magnifique. Magnifique. C'est de la bombe atomique. Il est une marque conçue par les mêmes fabricants de marques de luxe, mais à petit prix. Franchement, c'est génial. Et ils nous disent quoi? Sur le fond de teint, longue tenue, couverture waterproof anti-muculage, couverture complète. J'avoue que je trouve que là, il couvre bien les mauvais détails de la pomme. Franchement, je kiffe. On le sent pas sur la peau. C'est super agréable. Je suis ravie. Ravie. Ensuite, j'avais pris un concealer en teinte Tahiti. C'est pareil, il y a plein de teintes disponibles. Et il nous marque longue tenue, l'anti-cerne polyvalent Chiglan est comme un filtre Instagram. Bah, dis donc, la formule liquide longue durée existe en plusieurs couleurs pour corriger et éliminer les cernes, les rougeurs, l'hyperpigmentation, la décoloration en toute imperfection qui a besoin d'être cachée. De plus, la couleur extra-pigmentée qui s'y sent facilement et crée un fini lumineux aussi léger que l'air, comme si vous ne portiez rien. Le meilleur, la couvrance est adaptable et parfaite pour tous les types de peau. Génial. Il coûte 3,99 €. Donc j'avais pris, c'est un format 25 grammes. Et je vais me servir du Beauty Blender avec le côté ici là. Et franchement, le format, c'est dingue. Nickel. La couleur est nickel. Donc je vais en mettre ici. Ah, franchement, c'est ouf. À peine appliqué, je vois déjà la différence. Je sais pas si vous voyez la différence entre le côté fait et pas fait. C'est dingue. Incroyable. Donc je vais faire l'autre côté. Effectivement, on ne le sent pas du tout. Il n'a pas l'air de filer dans les plis. Franchement, incroyable. J'aime beaucoup trop la texture, l'application. Franchement, ça me passionne. Franchement, je suis très contente de cet anti-cerne. Même pour cacher les boutons et tout ça, je pense qu'il peut être vachement sympathique.
Ensuite, j'ai pris une poudre. C'est rare que je fasse du baking, mais du baking. Donc, j'ai pris la teinte cappuccino. Elle coûte 3,99€. C'est la gamme Chiglam. Et ils nous disent quoi? Alors, une pour 100 cruelty free. Nos fabricants n'utilisent aucun ingrédient provenant de sources qui ne sont pas cruelty free. Magnifique. Il y a plusieurs teintes. C'est génial, franchement. Ils assurent grave chine là-dessus. On ne peut pas dire le contraire. Que ce soit en teinte de make-up ou en taille de vêtements, franchement, ils pensent à tout le monde et ça, c'est. Je tenais à le souligner parce que franchement, c'est génial. Ah, génial! Il y a un petit coussin à l'intérieur et ça se présente ainsi. Bon, la couleur, je pense que j'aurais dû prendre. J'ai dû prendre la light pink, mais j'avais peur que ça fasse une couleur de halouf, donc j'ai pris la. Ça, c'est comme toutes les poudres. C'est un peu. Voilà, ma foi. Bon, vu que j'ai pris le truc, le Beauty Blender, je vais me servir de ce côté-là. Pour le baking, ça m'a l'air d'aller. Donc je vais faire ça comme ça, hein, histoire de. Pour fixer aussi l'anti-cerne. Je suis vraiment pas une professionnelle du baking, donc c'est moi tranquille. Je me bake la gueule comme je le sens. Voilà. En tout cas, packaging très sympathique. Encore une fois, l'éponge fournie avec, c'est super cool. Donc voilà ce que ça donne. Attends, je vais pas, c'est pas si foncé que ça. Hein. Non, non, franchement, la couleur me correspond bien. Ah ouais, franchement, nickel. On la sent pas sur la peau, c'est formidable, franchement. C'est extrêmement satisfaisant, j'ai envie de te dire. Ensuite, j'avais pris aussi un pinceau, justement, pour appliquer la poudre. Il coûtait 1,50€, il était super bien emballé, avec un filet de pêche comme ça qui protège ses cheveux. Ah, les cheveux sont tout doux, c'est trop mignon. Il est beau en plus de ça, donc que demande le peuple. Bon, je vais pas laisser trois plombes sur ma gueule. Je vais estomper ça de ce pas. Elle s'estompe bien. Elle laisse pas de traces nauséabondes. Franchement. Ah ouais, sincèrement, c'est de la bombe. Ben, je la trouve pas si brillante qu'ils le disent. Mais ça m'arrange parce que moi je préfère les teints mat. Franchement, c'est un pur bonheur. Donc ensuite, j'ai pris un blush qui est très mignon. Le packaging est vraiment trop adorable. Franchement, il n'y a rien à dire. Malheureusement, il n'existe plus sur le site. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc, ça se présente ainsi. Je ne sais pas trop. Je vais l'appliquer, je pense, avec le Beauty Blender. Ça se présente comme ça. Et on va... Oh là, c'est vraiment très pigmenté, tout ça. Je l'applique n'importe quel wack. L'odeur est très bonne. Évite de t'en mettre sur la gueule. J'adore l'odeur. Il coûtait 3€. Je sais pas pourquoi il est plus dispo. Peut-être qu'ils vont le remettre. Oh, j'aime trop le rendu. Oh, j'apprécie particulièrement. Bon, je l'ai un peu mis comme une hamara, mais c'est pas grave. Franchement, le rendu est magnifique. Il s'estompe très bien. Il sèche pas vite comme vous avez pu le voir. Incroyable, je kiffe. La couleur est parfaite. On le sent pas du tout sur la peau. C'est trop bien ce truc. J'avais un peu peur du packaging, mais franchement, nickel. Ensuite, j'avais pris un pinceau à contouring, mais comme une imbécile heureuse, j'ai oublié de prendre un truc contouring. Mais c'est pas grave, tout problème a une solution. On va utiliser cette palette pour les yeux aujourd'hui, qui est magnifique, qui fait vraiment penser à celle de Dia Beauty. Les couleurs sont magnifiques. Franchement, le packaging est sublime. Donc, je vais essayer de faire un make-up avec cette palette en totale improvisation. Et pour le coup, il y a la couleur Break Free, qui pourra très bien me servir de bronzer. Donc je vais m'en servir en tant que bronzer et on va voir ce que ça donne. Le pinceau contouring il se présente ainsi, c'est un pinceau à 1€, donc qui dit mieux, personne. Voilà. C'est super cool. Donc on va prendre la couleur Break Free. Elle est pigmentée de ouf, j'en ai mis un peu trop. Bon, c'est pas grave, on va estomper tout ça après. Faites attention parce que c'est pigmenté. Franchement, en guise de bronzer, ça le fait complètement. Et ce pinceau est très très bien. J'avoue, là, j'aurais dû le tapoter sur ma main avant de le mettre sur ma fringue mine. Bon, ça va, ça se travaille pas si difficilement. Ça va. En même temps, c'est un fard à yeux. C'est pas forcément fait pour ça. Mais en make-up, il n'y a pas de règle. On peut se servir d'un fard à yeux comme contouring. Franchement, nickel. La couleur, ça passe. Après, je suis un peu miro, donc je vais estomper hors caméra vite fait parce que sinon... Je vais m'afficher sur le web, on va me dire ouais, 500, j'aurais pas vu mes skinny là.
Voilà estompé, franchement la couleur elle est top pour le bronzer. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je valide sincèrement. J'ai eu la main lourde mais je trouve que le résultat est là. Ça me contourne bien la tronche, c'est ce qu'on demande. Ensuite j'ai pris de chez Shiglam toujours une base à paupières à 2,99€. De couleur. Donc elle se présente ainsi. Alors elle n'est pas colorée, enfin un tout petit peu. Mais franchement c'est génial, j'adore le packaging. Parce que ça permet de mettre pile poil la bonne dose. Sans gâcher du produit. C'est génial. Et franchement, c'est sympathique. Ça rend la paupière toute douce, j'aime bien. Franchement, c'est super agréable. Ensuite, j'ai pris ce kit de pinceau qui coûte 2,75€. Il y en a 12. C'est génial, franchement. Donc, on va tester ça. Je vais prendre de ce pas un pinceau estompeur. D'ailleurs, il y en a 3 pinceaux estompeurs. C'est génial. Je vais prendre ce pinceau estompeur. Il n'y a pas de numéro dessus. C'est pas grave. Et on va venir utiliser la palette magnifique qui coûte 5,99€. Mais comme il y a toujours des codes sur Shein, d'ailleurs vous avez toujours le mien qui est encore actif, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça ne me rapporte rien du tout. Le seul truc qui me rapporte quelque chose et des commissions, c'est quand vous passez commande sur le site Shein au travers de mes liens traqués. Voilà. Le pinceau est tout doux, les hards n'ont pas l'air de s'enlever, donc c'est génial. C'est parti pour l'improvisation du make-up. Alors... pour avoir plus de facilité à estomper les fards, je vais prendre la couleur Pet Me. Il y a les noms et tout. Pour une couleur claire et pigmentée. Ça commence bien. C'est formidable. Un espèce de beige avec un sous-ton. Je sais pas comment dire. Un peu marronné. Ensuite, franchement, cette couleur a l'air trop belle. C'est un truc de fou. Ensuite, je vais venir utiliser le fard Badi pour le mettre en coin externe. Ça m'a l'air d'être vachement pigmenté. Tapotez bien votre pinceau. Tac. Et on va le travailler en coin externe. Ici. Ah ouais, franchement. Je sens que je vais l'aimer d'amour, cette palette. Les fards ont l'air de très bien se travailler. Première utilisation. C'est quand même fort sympathique. Franchement, je suis bluffée par la facilité d'estompage. C'est formidable. Ensuite, pour tester le plus de fards possible, je vais prendre la couleur Sly, qui est un marron un peu plus chaud, celle-là. Et je vais venir la travailler. Je vais venir la travailler ici. Un peu. Waouh, j'apprécie particulièrement. Oh, j'adore cette couleur. Elle est magnifique. Ça fait un dégradé que de renard, fort sympathique. Et la facilité d'estompage me passionne. C'est très agréable. Très très agréable d'utilisation. J'en reviens même pas. Et les pinceaux, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Très très sympathique. Je prends le pinceau ratil. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un pinceau ratil pour mettre les fards en ratil. Et il y a un pinceau ratil estompage. C'est franchement pas mal du tout. Je vais reprendre les deux mêmes couleurs et je vais les mélanger ensemble et je vais faire mon ratil tout simplement. Donc ensuite j'ai pris un peu d'anti-cerne. Je vais venir cutter ma paupière avec ce pinceau là fourni dans le kit pour pouvoir tester d'autres couleurs, dont le jaune qui m'intrigue vachement. Prendre le pinceau estompeur sans mettre de matière dessus et je vais réestomper les bords. Un peu gros, mais allez, c'est pas grave. Je vais prendre ce pinceau plat avec la couleur jaune qui s'appelle Love Rio. Celle-là, comme ça, je vous dirai ce que j'en pense. Waouh, elle a l'air d'être pigmentée. Rien à dire. Ensuite, je vais prendre la teinte Eye Roller qui me fait vachement penser au highlighter de Rihanna quand elle l'avait sorti à l'époque. C'est une texture un peu crème, on dirait, ouais. C'est une texture un peu plus crème, qui je pense appliquerait mieux aux doigts. Mais bon. Waouh. On va essayer aux doigts. Ah oui. Effectivement, ça c'est des fards qui s'appliquent bien mieux aux doigts, qui ça ressort leur intensité. Franchement, il n'y a rien à dire. Waouh, elle est trop belle cette couleur. Et vraiment, elle fait penser
Oui, les teintes dorées qu'elle avait sorti Riri. Donc, je vais prendre cette couleur-là et je vais la fondre en coin externe. Vite fait. Ah ouais, c'est un genre de bordeaux avec du... Oh là là, wow, avec de l'irisé dedans. Absolument magnifique. Bon, par contre, elle a pris le dessus sur ses copines. Je reprends le pinceau estompeur. Je vais fondre tout ça, parce que là, je suis en train de faire des conneries. Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna live. Ça me va, et franchement, la couleur, le jaune là, brillant, il est absolument sublime. Incroyable. Donc, on va en rester là pour les yeux, et on va tester les autres produits. Donc, j'avais pris un kit d'ombre à paupières liquide, il y a trois couleurs, moi j'avais pris Purple Illusion. Vous voyez l'holographisme de ces ombres à paupières qui m'ont l'air d'être magnifiques. Donc je pense que je vais prendre celle du milieu. Ce sera plus approprié au make-up que je viens de faire. Sinon je vais ressembler à une Nabolatasa. Donc je vais prendre celle du milieu. Waouh, allez, les couleurs. Les couleurs, on va les swatcher. On va les swatcher. Pinceau applicateur en même temps. Donc, ah ouais, c'est beau. C'est très très beau, c'est très très beau. Deuxième, waouh, 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 ça envoie du lourd ça, wesh. Oh lolo 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 lolo. Je kiffe, et moi je vais utiliser celle-là aujourd'hui. Magnifique. Franchement les filles, c'est magnifique. Pinceau, je vais prendre le pinceau plat que j'ai pris tout à l'heure, et je vais le tremper dans la matière. Je l'ai fait comme une brêle, mais je trouve ça absolument magnifique. C'est magnifique. Par-dessus un fard à paupières, ça sera encore plus stylé. Franchement, je kiffe. Je pense que vous le voyez quand même. Je l'ai très mal mis, hein. Franchement, ne faites pas attention. C'est la première fois de ma carrière que je fais ça. Donc, voilà pourquoi le rendu est absolument ignoble. Je ne sais pas le faire correctement. Et le pinceau, il aurait fallu un truc plus fin. Mais franchement, les couleurs, l'application, je kiffe. C'est magnifique. Et franchement, quand vous voyez les swatchs, c'est absolument sublime. Le violet du milieu, il est magnifique. Je pense que je vous ferai un make-up prochainement avec. Et en utilisant cette palette, ça pourrait être très très bien approprié. Parce qu'elles m'ont l'air sublimes, ces couleurs aussi. J'ai pris un eyeliner longue durée, mat. Et ils nous disent quoi? Rien. Waterproof. Donc, il se présente. Est-ce que c'est Howa? Est-ce que c'est Howa? Est-ce que c'est Howa? Non, c'est pas Howa. Non, c'est pas Howa. L'eyeliner se présente ainsi, on va le tester de ce pas. La mine est super fine. Oh, il a l'air d'être canon. Oh lolo. Je pense qu'il va être canon celui-là. Absolument magnifique, il ne dégueule pas dans la muqueuse, j'apprécie particulièrement. Bon, je vais aller essuyer tout ce bordel là, parce que c'est un massacre. Je vais essuyer mon ras de cils parce qu'il y a beaucoup de chutes. La liner, super facile d'utilisation. Après, le côté mat, je sais pas si je le constate vraiment. Si, il est assez mat, on va dire. Mais franchement, archi facile. Par contre, si vous n'aimez pas les mines très très fines, passez votre chemin, parce que la mine est vraiment très très fine. Moi je trouve ça cool parce que ça permet une application ultra simple. Donc ensuite, je vais estomper ici parce que je me suis rendu compte que comme je suis miro, j'avais pas vu. J'ai pris un autre pinceau fourni dans le kit pour estomper. Ça c'est plutôt génial parce que tu as plusieurs pour
pinceau pour te revoiler la façade. J'apprécie particulièrement. J'ai été un peu trop loin avec le fard liquide. Mais allez, c'est pas grave. L'erreur est humaine. Non, franchement, le liner, il est génial, les filles. Donc ensuite, j'avais pris ce mascara qui nous promet du volume en quelques applications. Donc on va voir ça tout de suite. Packaging mignon, c'est une brosse comme ça. Et on va voir ce qu'il dit. Voilà ce que ça donne après une première couche. C'est pas le mascara du siècle, mais je pense qu'en séchant, il aura quand même un certain potentiel. Bon, après, faut faire attention à l'application. Mais bon, il est tout neuf. Il m'a l'air de faire un peu de paquet si on fait pas attention. Je vais quand même remettre une deuxième couche pour voir. Le volume est effectivement présent et je pense qu'en séchant, il va bien me plaire ce mascara. Sincèrement, c'est pas mal du tout pour un mascara à ce prix-là. C'est pas mal. Affaire à suivre. Ensuite, j'avais pris un crayon à sourcils, rétractable marron, et j'avais pris la couleur light brown. Donc il y a une brosse par ici, et de l'autre côté, il y a un embout. Le marron m'a l'air un peu chaud. On va voir ce que ça donne. En fait, c'est un embout en espèce de triangle comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, pour la précision, on repassera. Ouais, pour la précision, c'est pas top. La couleur est un peu chaude pour moi, même si c'est pas traumatisant. La précision, j'aime pas. Donc, je suis pas fan de ce produit. Je suis pas fan. La brosse est très bien, par contre. Mais je suis pas fan du tout de ce produit. Ouais, la couleur, c'est pas choquant, mais je préfère les trucs. Des espèces de gris, tu vois, pour les sourcils, je trouve ça beaucoup plus joli. En rouge à lèvres, à vrai dire, aucun de ce que j'ai pris n'ira avec ce make-up. J'ai pris un métallisé comme ça qui m'avait l'air absolument magnifique et qui est absolument magnifique. Je pense que je vais mettre celui-là aujourd'hui. On va l'essayer. Très belle pigmentation. Donc franchement, mais ça n'ira pas du tout avec ce make-up, on va pas se mentir. Voilà ce que ça donne mes sourcils, la pigmentation est au rendez-vous. Bien évidemment, ce rouge à lèvres ne va pas du tout avec le make-up, mais bon, je voulais vous montrer ce que ça donnait en termes de pigmentation. Voilà, je ressemble un peu à une voiture volée, mais allez, c'est pas grave. Franchement, j'ai surkiffé faire cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et sincèrement, le seul produit que j'ai pas kiffé, c'est le truc à sourcils. Et encore, il y a moyen de moyenner. J'avais pris aussi ça. C'est pour essuyer ces pinceaux quand vous faites un make-up. Au lieu d'avoir à les nettoyer avant de les réutiliser, tu essuies ton pinceau comme ça, ceux qui le nettoient. J'en avais déjà un, mais ça faisait des années que je l'avais. Je voulais tester le leur. Et j'ai bien fait. Donc voilà, ceci est chose faite. Ça nettoie les pinceaux. Ça enlève le surplus de matière pour pouvoir les réutiliser derrière et c'est pas plus mal. Voilà. C'est bien pigmenté quand même. Hein. Donc ça c'est cool, c'est super joli en plus. Franchement, vu la qualité des produits, je suis très contente de mes achats. C'est des choses que je vais réutiliser, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si dans la prochaine vidéo vous voulez un make-up avec cette palette ou celle-là. Franchement, ils ont des palettes absolument magnifiques. Sincèrement, ça vaut le coup à ce prix-là. Et d'ailleurs, je vais vous faire de ce pas le swatch parce que je ne l'ai pas fait. Franchement, en termes de pigmentation, les filles, il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est de la bombe. À ce prix-là, ça vaut grave le coup. Et franchement, voilà quoi. Même la couleur chair, elle se voit. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Ça, cette couleur, elle est magnifique. Sincèrement, je suis très contente. Bilan, les palettes, franchement, vous pouvez y aller, c'est de la bombe atomique. À ce prix-là, ça vaut grave le coup. Donc, sincèrement, je suis très contente. Le Beauty Blender, il est génial. Dans son rangement, c'est encore mieux. Donc, je valide fort. Les pinceaux, ils sont top. Sincèrement, j'aime beaucoup. Il n'est pas asséchant. Il est bien métallisé, comme sur l'image. Ça ne nous vend pas du rêve.
ça respecte ce qu'ils disent, donc c'est super cool. Honneur d'utilisation, le fond de teint, j'ai vraiment kiffé. Je serais même capable de le racheter en grand format parce que j'ai vraiment kiffé. Il est très agréable, on le sent pas sur la peau, top niveau. L'anti-cerne aussi, il est vraiment top niveau, le format est assez grand. Donc ça dure des lustres pour peu cher. Donc franchement, c'est nickel, je valide fort. Voilà, mis à part le produit à sourcils, le mascara qui est en stand-by. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Qui me déplie un petit peu. Mais le reste, c'est de la bombe atomique. Voilà. Salam alaikum les gens. Je vous dirai pour la tenue dans un commentaire épinglé sous cette vidéo. Merci pour votre soutien au quotidien. Merci pour la force que vous m'envoyez chaque jour. Franchement, vous êtes trop mignons. Et merci infiniment de me faire confiance et de me suivre au quotidien. Salam alaikum les gens. À bientôt pour de nouvelles aventures.